Bonjour. Bonjour, Madame Michel. Ma sœur Colombe m'envoie vous prévenir qu'on va livrer pour elle une enveloppe qui lui importe beaucoup. Très bien. Elle me demande si vous pouvez la déposer à la maison. D'accord. Tu veux boire un chocolat? Entre. Justement, je prenais le thé. Je préfère le thé, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Assieds-toi. Je suis là en émissaire, parce que ma sœur va recevoir les corrections de son mémoire sur Guillaume de Cam, un moine franciscain et philosophe logicien du XIVe siècle. Ah oui. Eh oui. Eh bien, ça nous aura donné l'occasion de faire connaissance. Je pourrais revenir? Si tu veux, mais j'ai peur que tu t'ennuies, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Je voudrais juste être tranquille. Tu peux pas être tranquille dans ta chambre? Non. Avant, je me cachais. Mais maintenant, presque toutes mes cachettes sont grillées. Alors? Vous pouvez revenir un peu plus tard? Très bien, je reviens comme d'habitude. Bon, alors à tout à l'heure. Au revoir, Paloma. Au revoir. Tu vois, moi aussi, je suis constamment dérangée. C'est pas le meilleur endroit pour être tranquille ici. Les gens viennent pour vous voir, ils me dérangeront pas. Moi, je veux bien, mais il faut d'abord demander à ta maman si elle est d'accord. Je peux? Du chocolat noir? J'ai vu, oui. Merci. Je me demande ce qui est bon dans le chocolat. La substance elle-même ou la technique de la dent qui le broie? Moi, je préfère le laisser fondre tout doucement sur la langue. C'est vrai. Changer le style du croquet de dent, c'est comme déguster un nouveau mets. Tu rentres chez toi. Tes parents vont s'inquiéter. Vous n'êtes pas une concierge ordinaire.